Cette séance de travail technique entre le Premier ministre par intérim Adum Younous Mingue et le président de la Banque africaine d'import-export Bénédicte Orama est la première du genre depuis l'adhésion de notre pays à cette institution bancaire. En effectuant cette mission officielle ici à N'Djamena, la Banque africaine d'import-export, à travers son président, vient une fois de plus rassurer les autorités tchadiennes de l'engagement pris lors de la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources destinées au financement du plan national de développement PND. Une table ronde au cours de laquelle elle a gracieusement octroyé une enveloppe de 500 millions de dollars pour accompagner le Tchad dans la réalisation de ses projets de développement. Au cours des échanges, le Premier ministre par intérim Adum Younous Mingue a été suffisamment informé de la détermination de cette banque africaine import-export à investir sur le territoire tchadien, mais également à servir d'interface dans le domaine commercial avec les autres pays du monde. Adum Younous Mingue a rassuré le président d'Afriximbank que le Tchad regorge d'énormes potentialités qui méritent d'être exploitées. Cette séance de travail a permis aux deux parties d'identifier des projets prioritaires du gouvernement, répondant ainsi aux critères de financement de cette institution bancaire. Cette banque, créée il y a 25 ans, possède ses succursales à Abuja au Nigeria, à Harare au Zimbabwe et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ayant son siège au Caire en Égypte, la Banque africaine Import-Export entend dans son programme orienter ses actions vers d'autres pays d'Afrique de l'Est pour conquérir le marché.